Je ne customise pas. Nous transformons. On part d'un vêtement existant. C'est ce que j'ai voulu faire avec, avec ce qu'on m'a donné pour Diesel. Et on m'a dit, voilà, donc t'as deux sortes de sacs, donc un baguette et un plus gros. Et transforme-les-nous. Comme j'aime bien aussi un peu sortir la nuit et que j'aime bien les petites pochettes, j'ai transformé en fait ce petit sac à main baguette en pochette un petit peu plus soirée, quoi. J'ai pu repositionner les clous. Du coup, en mettant notre main comme ça, on a une petite pochette ornée. Donc ça, c'est pour le baguette. Après, pour le gros, en fait, j'ai ouvert les sacs sur les côtés. J'ai fait mettre un empiècement en jean et j'ai mis les clous comme s'ils sortaient du sac. Dans celui-là, j'ai vraiment pensé à faire quelque chose d'un petit peu osseux et squelettique. Ouais, je passais au Paris-Paris, Baron. J'ai commencé à faire des t-shirts en fait pour mes potes. On m'en a demandé de plus en plus. Le logo, beaucoup de chance, se mettre super bien entendu avec mon ancien boss, André. Et du coup, par affection, on ne refuse jamais trop rien. Donc je lui ai demandé mon petit logo, il me l'a dessiné. La maison Gaëlle Constantini, c'est des gens fantastiques. Nono, je l'ai rencontré quand je travaillais au Paris-Paris. Elle était du jet aussi à l'époque et je l'ai rencontré là-bas. Ouais. La couture, c'est la vie. Tomber le souffle, tomber le souffle, tomber le souffle, tomber le souffle.